J'ai une photo, t'as vu, il y a des gens qui sont livrés avec des appareils photo devant le visage. C'est toujours mieux que du pop-corn. Hein, ou des œufs. Alors bonjour à tous. Merci de nous accueillir si chaleureusement ce dimanche. Hein. Alors que vous pourriez aller regarder par exemple la Coupe Davis. Vous êtes préféré venir au cinéma. J'ai pas de temps, c'était 5 ans et demi. J'ai vu la rafale 1, la rafale 2. J'ai vu toutes les émissions. La rafale 1 ? La rafale 2 ? La buzz. Ah, la rafale ! Donc tu passes de la rafale à la buzz. J'ai cru que tu parlais de la rafle, et bon, j'ai pas joué dans la rafle, et je crois, malheureusement, pour eux, qu'il n'y a pas eu de 2. Huitième de finale de la Coupe Davis France-Israël, ils ont gagné. Voilà. T'es à côté, ici tu pourrais repartir avec ton poids en Nutella si tu veux. Alors on est venu vous présenter ça, Vive la France, qui est mon deuxième film en tant que réalisateur. C'est une grosse comédie, on peut le dire, sur un thème qui ne l'est pas forcément, puisque ça va parler un petit peu de terrorisme en toile de fond, mais ça va surtout parler de la France et les Français. Et deux terroristes qui vont comme ça traverser toute la France. Je m'en excuse d'avance auprès de vous autres Normands qui, je l'espère, êtes fiers de votre Normandie. Le film ne passe pas par la Normandie. Quand vous allez voir comment on traite les régions dans lesquelles on passe, peut-être que vous allez être content qu'on ne passe pas par la Normandie. Peut-être. En tout cas, j'espère juste que voilà, ça va bien vous faire marrer, que vous sortirez de ce film avec l'âme légère, et que vous ressortirez aussi de cette salle en étant fier d'être français. Parce qu'il n'y a pas de nationalisme là-dedans, on a le droit d'être fier d'être français, les Espagnols sont fiers d'être Espagnols, les Italiens aussi. En France, on a toujours honte d'être français, on a honte du drapeau. On habite un pays formidable, où on mange divinement bien, qui est magnifique. Regardez votre Normandie comme elle est belle. Les Français sont des gens qui nous ont accueillis, enfin en l'occurrence qui ont accueilli nos parents et nos grands-parents. C'est une formidable terre d'accueil, des gens généreux. Faut pas l'oublier. Voilà, vive la France, vraiment. Non, mais c'est vrai que si ça marche bien, en revanche, on fera Vive la France 2. Comme ça, notre partenaire télé sera très content. Parce que c'est France 2. Ah, mais c'est... On fera Vive la France 2, peut-être qu'on passera par la Normandie, là, pour le coup. Fatale 2. Eh non, c'est ça. Ah oui, n'hésitez pas, hein, quand vous sortez du film, à aller sur les réseaux sociaux pour vous exprimer, surtout si vous pensez du bien du film. Twitter aussi, à nous, on a nos propres Twitter, voilà. Et on aime bien. Sur notre Twitter, sur le Twitter du film, sur le Facebook. Et puis, voilà, donc si vous aimez le film, vous le recommandez à vos amis. Et si vous n'aimez pas le film, qu'est-ce que vous faites? On ferme notre gueule. Dans votre entourage, il y a bien des gens que vous n'aimez pas. Comme ça, vous leur recommandez une heure et demie de souffrance. Tout le monde est content.